Allez, salut tout le monde, c'est pour X-Lan, j'espère que vous allez bien, moi c'est super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous apprendre à comment faire la musique de Bob l'éponge sur Minecraft. Donc aujourd'hui, gars, vous allez voir, c'est vraiment une musique qui est vraiment super sympa, voilà, qui est assez joyeuse, on va dire ça comme ça. Pour éventuellement, voilà, la mettre dans vos serveurs ou quoi, vous allez voir, c'est assez simple, en plus elle est pas très très longue. Donc je vais directement, voilà, vous faire écouter, j'ai juste un peu monté le son de la vidéo, attention les gars, je vous fais écouter, c'est parti. Voilà, donc c'est qui là sous la mer, Bob l'éponge carré. Voilà, en gros, c'est ça. Je sais pas du tout si vous avez reconnu. Voilà, en gros, c'est ça. Je vais vous la refaire réécouter une deuxième fois. Voilà, elle est vraiment super stylée. Voilà, c'est assez, assez funny, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc, du coup, on va directement commencer par vous montrer. Comment faire là, cette musique, vous allez voir, c'est vraiment super simple. Alors, pour commencer, vous allez déjà devoir commencer par faire un schéma. Donc, c'est le même que moi dans la vidéo, donc juste celui-là. Donc, vous allez devoir mettre pause sur votre écran et refaire la même chose sur votre monde à vous, en tout cas sur votre Minecraft à vous. Donc, pendant le temps que vous mettez pause, je tiens quand même préciser voilà, que ça marche sur toutes les plateformes, donc sur Xbox, PS3, PC, n'importe quoi, là, ça marche vraiment sur tout. Donc voilà, alors comme dit, donc voilà, vous refaites le schéma, donc vous faites pause et vous faites exactement la même chose, donc avec les blocs noirs et les blocs rouges et avec voilà, exactement les mêmes blocs que moi. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu à quoi signifie chacun des blocs, à quoi signifie par exemple le bloc rouge, le bloc d'or, le bloc noir, etc. Alors, le bloc orange, je vais remettre mon interface. Le bloc orange, tout simplement, eh bien, correspond au bloc de départ. Donc, c'est le bloc sur lequel vous allez poser votre bouton et sur lequel vous allez pouvoir faire marcher votre musique. Ensuite, le deuxième bloc, donc c'est le bloc qui est rouge. Donc, le bloc rouge, c'est le bloc qui va permettre, sur lequel on va mettre voilà, les répéteurs donc, de redstone. Donc, juste ça. Donc, ça, c'est un tick, ça, c'est deux ticks, trois ticks et quatre ticks. Le bloc noir, c'est le bloc sur lequel on va mettre le bloc musical. Donc pareil, par exemple, donc à votre gauche de votre écran, vous aurez des petits numéros. Donc par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Et si par exemple, à gauche de votre écran, par exemple, c'est marqué 10, vous devrez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Et après, etc., vous laissez comme ça. Après, si par exemple, ici, celui-là, c'est 5, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est vraiment assez simple. Et après, ça vous fera donc voilà, la musique pour bien faire délirer vos potes ou quoi. Et enfin, donc le bloc d'or. Donc le bloc d'or, je l'ai encore jamais eu dans toutes mes musiques parce que j'ai déjà fait la musique de Pirates des Caraïbes et de Mario. Et le bloc d'or, on l'a encore jamais eu. Alors le bloc d'or, c'est quoi? Le bloc d'or, c'est un bloc de quartz, donc voilà tout simplement un bloc sur lequel on va poser un mode bloc, donc voilà ici un bloc de quartz et voilà, c'est un peu nouveau hein. Il n'y avait pas encore ça dans mes anciennes musiques, en tout cas pour l'instant ça sera un bloc sur le bloc doré, voilà, donc on va directement commencer du coup. Alors pour le premier bloc, donc sur le bloc orange, il vous faudra eh bien de la redstone, donc vous posez la redstone sur le bloc de départ. Après vous allez poser un bloc de quartz par dessus donc pour qu'il vole au dessus de la redstone. Et ensuite, vous allez donc prendre un bouton comme moi et vous allez le poser dessus et appuyer dessus. Et bien vérifier que la redstone en bas s'allume bien, c'est assez important. Si la redstone s'allume, et bien c'est que bah, vous avez déjà réussi à faire ça. Donc c'est parti, on commence directement avec le premier bloc musical. Je vais vous dire à chaque fois les chiffres, ça sera marqué à votre gauche de votre écran. Donc c'est parti, on commence directement avec le premier bloc musical qui est 13. Ensuite, ça sera 2 ticks. Ensuite, ici, ça sera 13. À gauche, ça sera 18. Ici, ça sera 2 ticks. Ici, ça sera 15. Ici, ça sera 2 ticks. 13. 2 ticks. 10. Ensuite à gauche sur le bloc qui est juste ici, ça sera 13, excusez-moi, 13. Ensuite ici ça sera 2 ticks, 6, 2 ticks, 10, 2 ticks, 13, et à gauche ici ça sera 18. Ensuite ici on va donc venir tourner à droite et venir sur les deux blocs rouges qu'il y a juste ici. On va faire un tick et un tick, donc on pose une fois, on n'appuie pas dessus, on pose juste une fois.
Et en GT6, ça sera 15. Ensuite, on retourne à droite. Donc, on se met sur le bloc rouge qui est là. Ça sera 2 tics. 13. 2 tics. 10. À droite, ça sera 13. Ensuite, ici, ça sera, donc ici, vous aurez 3 blocs, ça sera 2 tics, 2 tics et 2 tics, donc 3 fois 2 tics. Ensuite, ici, ça sera 18. Et à droite, pareil qu'à gauche, 18 de nouveau. Donc, ça là, ici, ça change pas. Ensuite, ici, ça sera 2 tics, 2 tics, 2 tics et 15. Ici, ça sera 2 tics. Et là, ici, on va venir mettre un bloc. Donc, ici, on met le bloc de quartz. Ensuite, on tourne de nouveau à gauche. On va venir sur les deux petits blocs rouges qui sont juste ici. On va faire 2 tics, 2 tics. Ensuite, ici, ça sera 2 tics, 2 tics et 2 tics. Donc, 2 fois 3 tics. Enfin, 3 fois plutôt, pardon, 2 tics. Donc, 2 tics, 2 tics, 2 tics. Et ici, ça sera 10 à droite. Donc, on va 10 ici et 10 à gauche. Et là, vous avez donc voilà, fini votre petite musique voilà, qui est super sympa. Donc, la musique donc, de Bob l'éponge qui fera qui vit dans un ananas sous la mer, Bob l'éponge carrière, enfin bref. Et vous aurez donc voilà, la musique de Bob l'éponge. Donc, là, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou même encore, je sais pas moi, des affirmations à faire ou n'importe. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. N'oubliez pas le petit like, le petit partage comme d'habitude. Ok, le couchant qui meurt. N'oubliez pas le petit like, le petit partage comme d'habitude, ça me ferait super plaisir. Voilà, et du coup, bah, si vous les gars, c'est Lazare Production, on va se réécouter une dernière fois la musique. Et puis moi, bah, du coup, bah, je vais vous dire à la prochaine. Allez, salut tout le monde!